Vous avez ici un sanglier mâle appuyé contre la barrière. On aperçoit les canines en nom latin, donc contrairement à ce que Astérix dirait, c'est le sus crophella linné. Le mâle peut atteindre jusqu'à 200 kg. Lorsqu'il charge, ça peut provoquer des blessures pas mal, et c'est impressionnant à voir passer. Au premier plan, la femelle en plein exercice, de fatigue, les paupières sont doivent être très lourdes. Dans l'abri, un petit peu à l'ombre, vous essayez d'apercevoir un beaucoup plus jeune, mais pas mal. On n'arrive pas à voir si c'est un mâle ou une femelle, mais il n'a pas l'air très décidé à sortir et se tremper dans ses souillards qui sont au premier plan. Ici, vous apercevez sur la branche une pie jacasse, ou pie rieuse. En italien, on appelle ça la pie voleuse. Traduction, il ne faut pas trop m'en demander. Et l'autre oiseau que vous voyez tourner de temps en temps, c'est une corneille à bec noir. Ici, vous avez un couple de canards siffleurs. Bon, évidemment, il est un peu apeuré. Voilà, deux femelles splendides qu'on voit. Le mâle s'est un peu caché sous les buissons. Mais simplement, il y a une chose qui gêne un peu les prises de vue, ce sont les grillages qui ont dû être posés à la suite de vandalisme. Ils sont en pleine toilette, ils sont magnifiques. Ici, au premier plan, vous avez un mâle sarcelle en train de prendre son petit bain de soleil et de casser la croûte. À l'arrière, vous avez une femelle. Vous voyez les belles couleurs vertes qu'il avait. Après l'intermède de la panne se promenant sur les pavés, nous avons ici une magnifique chouette hulotte, un peu perdue à cause de l'ombre. Elle aimerait mieux en avoir un petit peu plus. Elle est très répandue dans toute l'Europe, le monde, même jusqu'en ville. Elle se nourrit de petits rongeurs et d'oiseaux. Alors ici, nous avons un coup de peau. Nous voyons un furet en pleine action face à un petit coquelet. Le furet est une bête uniquement essentiellement nocturne. Vous avez un coup de chance de le voir en pleine journée. Voyez là, c'est une bête magnifique, allongée, c'est de l'ordre des mucellidés. Et regardez un peu cette souplesse, cette beauté de cette bête, c'est vraiment extraordinaire. Et vous avez une chance exceptionnelle de pouvoir le voir. Regardez la virtuosité pour creuser, à quelle vitesse il creuse. Il cherche un peu de la nourriture, des vers, des tels que lombriques et autres, il mange un peu, c'est un peu un omnivore. Mais regardez cette virtuosité, c'est vraiment... Et vous avez une chance extraordinaire de pouvoir voir cette bête. Il a encore un peu son pelage d'hiver. Il va tourner au brun noir bientôt, mais regardez bien, bon, il est un peu sale, mais normalement, il est presque blanc. Ici, vous avez une petite caille des blés, bien à l'ombre, dans son petit nid de gravier. Le nom latin, je peux le lire, c'est Coturnis, Coturnis linné. C'est fréquent dans les terrains ouverts. La caille est devenue assez rare en Suisse. C'est un des seuls migrateurs de nos gallinacés. La caille, comme je disais, est en voie de disparition à l'état sauvage chez nous à cause des nouveaux procédés de culture qui les empoisonnent et détruisent un peu leur nourriture. C'est très dommage parce que c'est des petites bêtes vraiment sympathiques.
Elles arrivent même à perdre l'habitude de la nidification. Elles ne savent pas comment pondre leurs œufs. Ici, vous avez des couples de canards souchets. Vous pouvez remarquer qu'un des mâles est légèrement... Il doit y avoir des croisements ici, parce qu'ils sont un peu en liberté malgré tout. Mais ce sont des animaux merveilleux, les couleurs sont fabuleuses, et assez courants. Ce sont des très petits canards. Vous voyez de magnifiques pintades, qui ne servent pas uniquement à Noël, en pleine... promenade casse-croûte, admirer la démarche et surtout la couleur du plumage tacheté noir et blanc. Regardez, c'est leur cri, vous entendez leur petit cri, mais également à côté de lui, un canard mandarin. Voilà, c'est vraiment gracieux aussi, regardez avec la petite crête rousse. C'est vraiment, regardez la souplesse de plongée. Moi, j'y arriverais pas, j'aurais pas le souple. Voilà, sur la barrière, un magnifique représentant mâle des gallinacés, c'est-à-dire un coq. Admirez ces très très belles couleurs. Vous voyez ces petites oreillettes jaunes. Donc, si c'était une poule, il pondrait des œufs blancs. D'accord. Et voilà, nous avons un magnifique dindon en train de faire la cour à cette dindonnette. Regardez la queue, c'est un digne descendant de Sitting Bull, grand chef Sioux, mais admirez les couleurs et le panache. Voilà, devant nous, nous avons des oies rieuses au repos. Elles ont assez rigolé pour la journée, alors elles dorment un petit moment, ça se passe très très bien, elles ne sont pas trop dérangées par notre présence, elles sont à moins d'1,50 m de nous. Fixoie cendrée arrive vers nous maintenant. Je vais vous dire une chose, elles ont un coup de bec pas mal. J'en ai un souvenir de l'année passée sur la fesse droite. Elles sont pas mal, hein. Mais ce sont, elles sont très très apprivoisées, elles sont gentilles simplement que... Ici, vous avez le dindon en train de se promener. Après le coup de bec qu'il a pris dans les fesses par l'oie cendrée, il a plus très très envie de plastronner. Et vous avez à côté de lui une poularde avec une petite poule rousse. Vous voyez que tous les animaux non homologués sont invités. Voilà, regardez, admirez la roue. C'est vraiment splendide et parfait. Alors, nous apercevons à l'arrière un magnifique faisan doré. Évidemment, comme ce ne sont pas des animaux qui restent sur place, c'est un peu dur à les filmer. Regardez, il arrive un peu dans le soleil. C'est vraiment des bêtes splendides. Admirez ces couleurs. Celui qui picote maintenant a une crinière vraiment rouge, alors que son collègue, elle est légèrement orangée. Les couleurs sont moins vives et pourtant, c'est de la même famille. Alors voilà, nous avons à proximité de nous, très très peu de distance, une magnifique petite chèvre du Tibet. Évidemment, elles sont un peu croisées, parce que normalement le poil est plus long, mais elles sont très 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 familières. Et voici un mâle magnifique. D'ailleurs, ça se voit, il a les plus grandes cornes. Paraît-il que c'est à ça qu'on voit que c'est des mâles.
vraiment splendide. Et voyez le poil nettement plus long. C'est dommage, vous ratez une chose essentielle, c'est l'odeur. Enfin, ça vaut vraiment le déplacement, uniquement pour l'odeur. Voilà, à proximité, nous avons une petite chèvre, déjà assez grassouillette, qui vient vers nous. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Il y a la blanche, vous avez la barbichue rouquine brune. C'est vraiment magnifique. Elle va aller rejoindre ses petits copains. Ah, c'est très sociable. On ne parle pas des poules, des peacocks qui se promènent en permanence partout. C'est vraiment l'arche de Noé. Bah, premier arrivé, celui-là, c'est un mâle. Ici, nous avons, c'est dommage, c'est un peu à l'ombre, des pans magnifiques. Regardez cette majesté, cette queue. Celui du premier plan est assez jeune encore. Regardez l'autre, la fontaine. On appelait les pans les sans-yeux de Junon, à cause des taches sur les ailes. Tu vois que j'ai pas tout perdu de mon instruction. Alors, mesdames, admirez bien ce magnifique paon avec les 100 yeux de Junon sur le dos. Vous avez vu, les femelles ont accouru immédiatement, immédiatement. Franchement, vous auriez un joli bonhomme comme ça en face de vous, mesdames, hein? Alors là, ça serait quand même un peu plus beau que ces playboys. Admirez le mouvement, admirez ce mouvement. Regardez les femelles, on s'en demande de rien, mais elles ont quand même accouru dès qu'il a fait la roue. Regardez le mouvement de séduction, l'avance des plumes, comme pour un filet, pour séduire vraiment. Et regardez. Et le bruissement des plumes, le bruit que ça fait. Pour essayer de filmer les daims, nous sommes retombés sur un macho faisant sa cour, une petite paonne qui à première vue s'en moque mais éperdument. Elle continue à piquer, c'est exactement ça. Mesdames, vous faites la même chose. Regardez-le, il met tout ce qu'il peut. Admirez, voilà, dans le soleil, regardez l'arrière, tout. Admirez la délicatesse, la beauté. Alors voilà, il y en a un qui arrive, un tout jeune mâle, qui va couper tout le cinéma du plus âgé. Il fait semblant de l'ignorer, mais il n'est pas content du tout, le gros. Mais alors, pas du tout. Monsieur est jaloux parce qu'on ne l'a pas filmé tout de suite, alors il vient se présenter de lui-même, à proximité. Alors, je me souviens avoir lu dans un livre où la roue du paon en parade s'appelait la cage d'amour. Admirez de la manière qu'il englobe et qu'il enveloppe sa femelle. Toujours complètement indifférente, mais admirez, c'est magnifique.
à moins d'être complètement aigri, on est obligé d'admirer. Les beaux grands jaloux. La Fontaine avait dit, Maître Héron, de son long cou en manchet, nous avons le plaisir de vous présenter un héron cendré, jeune, c'est le seul à l'heure actuelle du bois de la Bâtée. Ils l'ont recueilli, blessé, ils l'ont soigné, il reste ici pour le moment. C'est aussi assez majestueux. Et nous voyons aussi les petites biches, les petites femelles du daim. Et vous voyez celle de droite, elle a le miroir, ce qu'on appelle un magnifique fessier blanc. C'est vraiment la marque d'une femelle déjà âgée. L'autre paraît plus jeune. Voilà, sur le rocher, juste devant nous, à la limite de l'eau, nous avons deux tortues boueuses. Ce sont des tortues aquatiques, bourbeuses. Ce sont des tortues aquatiques, il y en a une vingtaine en tout dans l'étang. Ils sont en train de, avec le peu de soleil qui reste, de prendre leur dernier bain de la journée. Et le cancanage que vous avez entendu en fond, c'était l'heure de l'apéritif pour les canards, les oies et tout. Ils arrivent tous. Hein. Air électrifié, obligé d'être posé pour à cause des vandales. Nous avons une minuscule tortue bourbeuse. Elle doit faire en gros 6 cm sur 7 cm et demi. Elle est au repos, tranquille, loin des grosses qui la chicanent un peu. Nous avons un magnifique couple d'oies. Admirez la protubérance sur le bec du mâle, nettement plus visible que sur la femelle. Instant près d'un magnifique bouquetin, un peu en manque d'herbe, mais c'est en train de se gratter entre les cornes pour marquer son territoire. Ils ont également des... Sur le grand tronc, vous avez un jeune, tout jeune ou une petite femelle, on ne sait pas exactement, on n'arrive pas. Voilà, monsieur a fini de se gratter. Ah, ça gratte encore un petit peu le dos. C'est pour ça que les cornes servent à quelque chose, pas seulement pour notifier nos têtes conjugales, mais également pour se gratter le dos. Il est en attente parce qu'il est intrigué par un chien. Vous voyez au premier plan une petite femelle portante et un tout genou derrière qui se chauffe encore un petit peu. Vous voyez le père bouquetin, on remarque. Les annelages des cornes
spécifique aux mâles. Voyez là, juste dans le rayon de soleil à côté de l'arbre, un petit bébé, vraiment, vraiment, il est jeune, bouquetin, encore tout plucheux, et il ronge un peu les écorces. Il est encore heureux d'être au monde, à y voir clair. Hein? Nous arrivons à la fin de notre visite. Nous avons fait tout l'enclos du bois de la Bâtie, tranquillement, calmement. C'est un véritable parc où les enfants peuvent jouer, se battre. Simplement, les chiens sont interdits, c'est un peu compréhensible. Mais ça vaut le déplacement. C'est à quelques minutes du centre de la ville. Et vous avez vraiment le silence, à part certains risques d'être dérangés, le cri des animaux, les corneilles, les paons, les autres canards, oies et autres. Vous avez tous les oiseaux qui chantent, c'est nettement reposant par rapport au bruit de la circulation. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée.